100% pour Manaus, pour la victoire à Manaus. Et comment tu comptes accompagner les Lions? Je compte accompagner les Lions avec mes chants patriotiques, avec mes mouvements, avec mes sifflets. Et je crois que ça va payer, mais ça va payer. Mais pourtant, Gando est seul. Je suis seul, mais je ferais comme si j'étais avec un groupe. Mais comment se fait-il que Gando se retrouve seul sans son groupe? C'est quand même la première fois. C'est la première fois. Il faut dire aussi que le plaisir est très, c'est très coûteux ici. Ouais, la vie est très dure, c'est très cher. Ici, voilà, le gouvernement a bien voulu, l'Africa Foot a bien voulu que je vienne seul. Et c'est en train d'aller. Mais on n'a pas senti Gando véritablement à 100% depuis qu'il est arrivé ici au Brésil, que c'est facile. Non, je suis déjà à 80%. Puisque l'autre jour à Natal, il a beaucoup plu. Et ce qui ne m'a pas permis de me maquiller. Mais j'ose espérer que le prochain match à Manaus, je vais me maquiller et je vais donner moi-même à 100%. Et après la défaite contre le Mexique, est-ce que Gando est serein pour la compétition? Je suis entièrement serein, puisque nous avons perdu une bataille, non la guerre. La guerre est continue, mais nous avons perdu la bataille contre le Mexique et nous continuons la guerre. Alors, Gando, c'est la mascotte officielle, on va dire comme ça, des Lions d'Orientale du Cameroun. On a vu que contre le Mexique, les supporters mexicains ont pratiquement noyé les supporters camerounais. Quel est le message que tu envoies aux supporters de la Croatie? Ce que je voudrais dire aux supporters de Croatie, c'est que nous sommes bien, bel et bien là. Et ils verront que nous sommes là à Manaus, que les Camerounais sont là aussi.